Eh bien, tout le monde est là. Vous êtes tous là. Vous êtes ça va, Dijon. Ça va bien, Dijon. Bonsoir. Donc, bienvenue à la commémoration des 40 ans de carrière de Julien Clerc. Donc, ce soir, afin de célébrer Julien Clerc, nous aurons donc un grand concours de l'Arsène. Que dites-vous? La bière. Nous aurons la bière, effectivement. Donc, un petit hurrah pour la bière, s'il vous plaît. Ouais. Donc, je vous rappelle les règles, hein. Vous les connaissez depuis la naissance, car vous êtes fait pour ça. Vous avez 5 minutes, installation comprise, au-delà de quoi nous vous passerons à tabac. Donc, nous mettrons le chronomètre et vous aurez peut-être 15 secondes pour baver un petit peu, mais pas plus. Vous serez jugé par un jury intègre, composé de monsieur Francis, de Lolo et du capitaine Sergent Pepper, à notre droite, jusqu'ici. Sur 4 critères, donc nous avons l'intensité, donc il faut que votre larcène soit intense, il faut que votre larcène soit amour, que votre larcène nous impressionne. L'amour. Sur les variations, l'amour. 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 Les variations, la maîtrise, donc dans les 5 minutes, nous comptons les 5 minutes dans la maîtrise, parce que justement il faut quand même maîtriser la durée, et la durée, naturellement, parce que si jamais vous faites un peu foireux, vous irez vous faire voir. Donc, les deux plus grands larceneurs de ce soir auront droit à un duel avec du matériel arbitraire qu'ils devront utiliser à tour de rôle durant une minute chacun, pendant 5 à 6 minutes, nous verrons. Les participants, une main innocente. Qui a une... Oui, prenez votre main gauche, Mathieu, elle n'est pas... Non, mais... La main droite n'est pas... Non, mais c'est moi. Alors désormais, mesdames et messieurs, silence. Nous allons plonger de façon religieuse dans le grand bruit mystique. Nous allons revenir aux origines de l'univers, à commencer par monsieur Jean Cul, le prêtre du Larsen, le premier prêtre du Larsen, à nous présenter sa prose. Jean Cul, s'il vous plaît. Thank you.
Attention. Bravo. Bravo, belle performance. Belle synchro, ouais. On peut l'applaudir. C'est l'ouverture de la pêche à la truite. Il est parfaitement habillé pour ce genre de situation. Patoche. C'est le président de notre association. Il est président. C'est monsieur le président de l'Engent. C'est le président de l'Engent. J'ai vu Martin hier au marché, avec ses cheveux, il était vilain, on dirait le diable. Thank you.
Nous allons accueillir le champion de l'année dernière. Celui qui champion. Pète dans sa combi. Tout de gris vêtu. Monsieur Finkielkrautrock, mesdames et messieurs, plus connu sous le nom de Francis Richard. Voilà la pédale qu'il a gagné l'année dernière. Cet homme n'est qu'amour. Il va vous donner de l'amour. De l'amour, Francis, de l'amour. Et un peu de groseille. Et puis je suis rentré chez moi et j'ai mangé une tarte à la crème. Oh! Alors, je lui ai dit maman, dis-moi et montre-moi comment on est les petites vagues au paradis. Je lui ai dit. Fait partie du spectacle. La lichette. Merci. Bravo, très original. Superbe.
La lichette. La lichette. La lichette. La lichette. Un petit rappel des prix. La lichette. Premier, la lichette. Deuxième, la lichette. Troisième, la lichette. Lichette en vue. Il faut juste une guitare. Qui veut bien lui prêter une guitare? Donnez-lui un instrument.
Qui a été 5 fois Grammy Award, a fait des collaborations avec Pharrell Williams, Daft Punk, mesdames et messieurs. Ouais. Vas-y. Les vieux motards que vaut-on, hein. Oh mon Dieu. Bon, j'ai une idée pour lui là. Oui. Thank you.
concept de ta performance, car c'est une performance assez spéciale. Nous expliquer le t-shirt et le fait que tu n'es pas seul dans cette performance, peut-être. J'ai entendu. Non. Très bien. Arsène Lupin avait le droit de ne pas venir parce que c'est le meilleur d'entre nous. Je ne suis pas homme de mots, mais de position. Cet homme sur mon t-shirt est poilu tel un gorille. Oui, Fabrice. Je lui rendais hommage. Oui. Bravo. Superbe, superbe, superbe. Je suis beau. Ma maman, elle me le dit souvent. Tu es le plus beau garçon. Le corps du Christ. Oh, quel beau caisson. Eh bien, maintenant que nous sommes bien à l'aise, que nous sommes à moitié nus, nous allons pouvoir y aller. Le classement, le classement. Je vous rappelle que vous êtes au grand concours de l'Arsène. Ouais. Hein. Donc il faudrait peut-être gueuler un petit peu. Merci qui ? Bon, premièrement, où est Nicky Larson ? Où est Nicky Larson ? Nous devons lui parler, il est là. Nous ne l'avons pas dit, mais cette soirée, vous êtes présenté par... L'engeance, c'est le mal ! L'engeance, c'est le mal ! C'est le rock ! C'est la bière ! Il est désormais minuit 23. Merci la pierre, bordel ! Voilà. Bon, maintenant c'est dit, les présentations sont faites, donc nous devons parler de Nicky Larson à cas à part. Il nous a plu, mais nous n'avons pas pu le classer, il est hors concours, il est inclassable. Donc, il gagne naturellement le prix de l'originalité, même s'il est hors concours. Donc le prix de l'originalité sera, je pense... La bière. Viens mon petit Nicky, viens. Pour tes mouvements, tes positions, tes prises de position politiques, ta sincérité incorruptible, ton authenticité, tu gagnes un superbe puzzle avec des photos de vieux. Bravo. C'est émouvant quand même. À poil. Chacun fera l'Arsène d'une minute, suite à quoi nous couperons l'ampli et l'autre s'installera. Et ce, trois fois par personne, à tour de rôle. Battle de l'Arsène. Suite à cette bataille de l'Arsène, mesdames et messieurs, vous serez tous sourds comme des pots. Mais vous aurez encore la bière. Attention. Est-ce que c'est le premier qui commence ? Oui, c'est forcément le premier qui commence ! Non, c'est le dernier ! Dans l'ordre, nous aurons donc Finkielkraut-Rock en premier, mesdames et messieurs ! Ensuite, nous aurons Patoche ! Et après, nous aurons Spinny Bronze à l'Est ! Messieurs, préparez-vous pour la bataille du siècle ! Le monde ne sera plus jamais le même ! Une nouvelle de dernière minute ! La finale se fera avec des instruments sans cordes. Les cordes doivent être enlevées. On enlève les cordes. Pas de cordes. On enlève les cordes et son slip. Les cordes. Et on enlève son slip. Merde. Pas de slip. Merde. L'Arsène de Bier. Qu'est-ce que vous avez contre les gays? Raciste. Je vous rappelle, messieurs, c'est 3 Larsen chacun d'une minute. Suite à quoi vous dégagez et l'autre prend la place. Attention, Finkielkraut-Rock va faire son office. Thank you.
Patoche, c'est à toi. Bambi! Patoche!
Moustache, 11e, on le salue s'il vous plaît.
neuvième, c'est le fils de Brigitte, Ben Fontaine. Le huitième. Jeu de mots très délicat. Monsieur Cul, Jean de son prénom. Jean Cul. Septième, un tout nouveau cette année. Un jeune puceau. Nous rappelons prix de... Le prix du courage, le prix du courage de cette année. Courage. Xavier. Xavier. Merde. Sixième ex aequo. Docteur Caca et Julien Miro. Merci pour la pédale, Julien. Bravo, monsieur Miro, bravo. Merci pour la pédale, Julien. J'ai toujours été l'égal d'une merde. Docteur en merde. Les méchants que c'est dans le chou. Cinquième, Denis la foudre. Nous sommes légèrement plantés en réalité puisque il y avait deux. La deuxième place était ex aequo. Donc du coup celui qu'on allait dire comme le troisième est en fait le quatrième. C'est El Poco Loco. Ouais. Rempli du costume. Et maintenant la délibération a été faite, messieurs les jurys. Je passe le micro au jury. Oh merde Lolo. Sur la scène. Oh merde Lolo. Lolo, Lolo. On the stage. On est juste complètement incapable de vous départager à l'heure actuelle. D'accord. Ta gueule et vous allez avoir un dernier passage. Sans pédale. Oh. Celui qui fera le meilleur Larsen sans pédale sera gagnant. Oh. Un passage de combien de temps? Deux minutes. Deux minutes chacun. Une minute chacun. Allez, c'est pas tard. Êtes-vous prêts, messieurs, pour aller à la scène d'une minute chaque, deux minutes chacun, sans une minute, pardon. Une minute chacun sans pédale, à poil, les gars. Si vous êtes prêts, de la scène à poil dans la bière. On est chaud, on est tendu. Suspense, c'est putain de parti. Oh, my God.
va falloir délibérer. Hein. Le mec qui vient tout. Oh, c'était dur. Comme le premier pour nous. Il gagne un fantastique Pinot Noir de 2011, mesdames et messieurs. Il a payé du temps. Ouais ouais ouais, c'est le vin de l'engeance. C'est le vin de l'engeance. Tu vas payer toi-même. Avec l'argent de l'engeance. T'as payé ta participation. Eh, c'est à l'Arsène. C'est l'engeance qui boit le vin de l'engeance avec l'argent de l'engeance. Capitaliste. Ce que je voulais dire, c'est que cet après-midi, en fait, j'étais à la truite. C'était l'ouverture de la truite. Et en fait, j'ai croisé un gars en fait, qui se promenait et qui m'a dit « Ouais, soit je suis à la consommation, blablabla. » J'ai pas tout compris ce qu'il disait. Et les gars, en fait, c'était un gars des Vosges. Bon, peut-être, on sait rien. Vu l'accent, je pense pas. Hein, mais et du coup, le gars, il me dit « Ouais, concours de l'Arsène, tout ça, nanana. » Et après, ce con, il s'est pris un hameçon. Ah, du coup, il a fini aux urgences. Il m'a dit « Patoche, Patoche, je te montre les branchements. Je te montre comment on fait et t'y vas, quoi. » Et tu vois, et Patoche il pensait pas, tu vois, et Patoche il s'est dit ouais, il y a aucune chance quoi. Et en fait, Patoche finit 3ème et Patoche il est content. Quoi. Alors bravo à tous, hein, parce que c'était quand même une chouette soirée. Hein. Okay. Voilà, on a quand même bien rigolé. Bravo l'enfant. On va avoir des acouphènes pendant semaine, c'est rigolo, hein, c'est rigolo. Et puis, merci le jury. Ouais. Simir l'engeance, hein, parce que c'est bien chouette. Voilà. Merci. Patoche, oui. Oui, bravo. Qui est le deuxième? Qui va gagner un coup d'œil haute côte de nuit? Donne le gagnant, hein. Non, c'est le gagnant. Le problème, c'est que si je dis le deuxième, on donne le gagnant. Allez, c'est le gagnant. C'est le gagnant. Par contre, on va monter la tension. Ouais. Bon alors. Joue à fil ou face, t'as vraiment roulement de tambour, mesdames et messieurs. Qui est le grand gagnant? Je vous rappelle. Il gagne la pédale sur laquelle il vient de s'exercer avec ses deux congénères. Il gagne un Bourgogne Épineuil et surtout il gagne un cul-sac de bière. Yeah. Alors, qui va dégueuler devant vous, Francis? Dans la vie, il y a des gens, bah, ils sont bons. Quelle tension! Puis il y en a, ils sont encore meilleurs. Quoi. C'est bon! Et bien, chez nous, c'est. Deux fois champion, mesdames, messieurs. L'amour. L'amour, bordel. Passez le micro. Non, toi ta gueule. Merci. Plus de réverb. Plus de réverb. Merci à vous, mais ce prix, quelque part, je vous le dois à vous. C'est exceptionnel. Que part, et aux Vosges. Nous portons tous des masques, et quelque part, à travers cette expérience que nous avons tous vécue ensemble, j'ai envie de dire... Ils sont bourrés, ils ont non, mais pas tous. Finalement, ce qui a vaincu ce soir, c'est pas moi. C'est filmé ça. C'est pas moi qui avait gagné ce soir. Ouais, bah, amour... C'est l'amour qui nous... Hippie. Francis Richard, mesdames et messieurs. Le second. Une ovation. Speedy Troisième déception, mesdames.
mesdames et messieurs. Bon, bah alors, les Vosges sont ici ce soir, hein, on a tous nos petits défauts, mais on est bien contents, on a fait tous les kilomètres pour faire le concours de l'Arsène, et on repart avec plein de bons souvenirs de Dijon, alors merci à vous, et merci à vous tous. N'aie pas honte de dire d'où tu viens, sois fier de d'où tu viens. C'est pas grave, ça se soigne. C'est ainsi que s'achève l'ouverture de la pêche à la truite. Ouais, la pêche à la truite. La pêche et la bière, ouais. Je ne suis que trop petit pour conclure cette chose, je dois le donner au patron de l'Engeance quand même, le président de l'Engeance, Patoche. Patoche, tu dois mettre un point final à cette soirée. C'est toi qui mérites la victoire. Premier bassiste sur le podium du grand concours de l'Arsène. Je leur dirai qu'une fois, hier j'ai vu Martin, avec ses cheveux et les vilains, on dirait le diable. Oh.